qui est important, c'est en permanence de savoir si vous êtes aligné sur le manque ou l'abondance. Ça, c'est clair. Chaque fois que vous dites « Ah, il manque ça », vous êtes aligné sur le manque. Chaque fois que vous dites « C'est magnifique ce que je vois là », ce coucher de soleil, vous êtes sur l'abondance. Mais plus vous êtes aligné sur l'abondance, plus vous attirez d'abondance. Plus vous êtes aligné sur le manque, plus vous en attirez. Donc la gratitude, comme je disais, c'est un réflexe qu'il faut avoir. Je m'endors tous les soirs en ayant au moins 5 actions de gratitude, ou de la gratitude pour 5 choses, minimum. Moi je fais 10, mais commencez par 5 déjà, vous verrez, c'est fabuleux. Reconnaissance et gratitude. Mais surtout, le nombre de personnes que j'ai croisées, à la fois en patient, dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, de personnes qui voulaient des choses de l'univers, qui faisaient des commandes à l'univers, et qui, lorsque ça arrivait, n'étaient pas prêtes à les accepter. Neuro-émotionnellement, ah ben oui, mais je voudrais bien avoir ça, donc c'est ce que j'explique, elles sont dans le mental. Mais quand ça arrive, émotionnellement, elles ne sont pas prêtes. Parce que si elles avaient visualisé avec les sensations, les émotions, elles seraient prêtes à le recevoir. Ce qui fait que c'est comme si quelque part on vous disait le TGV dans lequel vous allez avoir les millions que vous souhaitez est arrivé dans la gare, mais que vous laissez le train repartir parce que vous n'êtes pas prêt à monter dedans. Et ça, pour moi, c'est une ineptie. Parce que les gens réfléchissent. Et dernièrement, une personne qui me disait « Oui, mais moi, il me faut du temps, tu vois, il me faut 7-8 mois. » Je dis « Putain, mais moi, si j'ai un truc et je ne mets pas de temps, je saute dedans. » Mais c'est juste une histoire d'être dans le futur de ce que je vois, alors que la personne, elle fonctionne avec son passé, elle conduit avec le rétroviseur. Alors, je vais vous le dire après, mais je vais vous faire fermer les yeux et vous faire répéter à haute voix cette prière qui est une prière de réception. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à accepter les choses qui arrivent, mais vous allez voir, ça va vous faire rire. Mais moi, je fais comme ça, ça va te faire rire, Cathy. Alors, vous fermez les yeux, vous allez répéter en même temps que moi. Univers, si quelqu'un a une chose extraordinaire qui lui était réservée, mais qui n'est pas disposé à la recevoir, envoie-la-moi. Je suis prêt et disposé à recevoir toute ton abondance et toutes tes bénédictions. Et toutes tes bénédictions. Et moi je dis Amen, mais Amen, A-M-E-N-E, Amen. Et merci, la gratitude. Alors je vais vous la dicter. Voilà. Vous avez vu? C'est super important, oui. Est-ce que tu ne conseilles pas, juste avant ça, de faire notre ancrage? Tu as tout compris. J'allais y arriver. Tu te mets dans un état émotionnel alpha et tu dis univers. Là, je prends du temps, mais c'est vachement important. Parce que si tu n'es pas prêt à recevoir... Moi, j'ai rencontré des personnes dans ma vie privée qui ne voulaient pas recevoir d'un homme, elles voulaient y arriver toutes seules. Non, non, moi, je veux y arriver par moi-même. J'ai dit, mais il n'y a pas de souci. Hein. Tu n'y arriveras pas, hein. Tu feras plusieurs tours sur cette terre. Mais on est tous interreliés les uns les autres. À un moment donné, il faut comprendre. Univers, si quelqu'un a une chose extraordinaire, vous voyez, mais moi, ce que je demande, c'est de l'extraordinaire. Ce n'est pas de l'ordinaire. Une chose extraordinaire qui lui était réservée. Donc, il allait attirer à lui. Donc, si, univers, si quelqu'un a une chose extraordinaire qui lui était réservée, mais qui n'est pas disposé à la recevoir, envoie-la-moi. Voilà, univers. Si quelqu'un a une chose extraordinaire qui lui était réservée, mais qui n'est pas disposé à la recevoir, envoie-la-moi. Parce que moi, je suis disposé à recevoir. Je me prépare. Tu comprends? Comment des choses incroyables, des fois, les gens, parce qu'ils ne sont pas prêts, ils le repoussent. Ça, c'est le pire qui peut arriver quand les gens sont dans le développement personnel. C'est-à-dire qu'ils ont des désirs, mais ils ne sont pas prêts parce qu'ils sont cadenassés par des programmations du passé. Donc, envoie-la-moi. Je suis prêt et disposé à recevoir tout en abondance et toutes tes bénédictions. Amen. Amen. Merci, merci, merci. C'est bon? Vous voulez que je la relise pour être sûr d'avoir bien noté? Univers, si quelqu'un a une chose extraordinaire,
extraordinaire qui lui était réservé, mais qui n'est pas disposé à la recevoir, envoie-la-moi. Je suis prêt et disposé à recevoir tout en abondance et toutes tes bénédictions. Amen. Faites-le comme un mantra le plus souvent possible dans la journée, mais surtout le soir. Et comme le disait Nina, en faisant l'ancrage alpha de ce que tu souhaites. Et là, tu te mets à un niveau d'énergie incroyable. Surtout si avant de te coucher, tu as fait des actions de gratitude qui te mettent sur l'abondance et avoir, si tu veux, ce que tu as dans la vie. Alors, je continue avec des personnes qui me disent « Oui, mais comment il faut faire pour obtenir ce que l'on veut ?» Quand je dis « La gratitude, la gratitude, la gratitude, la gratitude. » On commence par remercier tous les soirs la gratitude de ce que l'on a eu. Un sourire de quelqu'un, un café offert. Une personne qui vous laisse sa place de parking. Gratitude, gratitude, gratitude permanente. Pour ceux que ça intéresse, sur ma chaîne YouTube, vous verrez, je fais des Ho'oponopono et de l'EFT sur la gratitude en permanence, pour vivre la gratitude au quotidien et vous allez passer à un autre niveau. Mais une fois que vous avez cet entraînement, vous allez avoir de la gratitude pour ce que vous n'avez pas encore reçu. C'est comme ça que vous allez basculer de l'état de manque à l'état d'abondance. Je sais que c'est pas facile de pouvoir visualiser et ressentir l'abondance quand on a des problèmes d'argent ou autre, mais déjà, regardez ce qu'il y a. Vous avez une fille magnifique, un enfant comme ça, une maison, une voiture. Remerciez, remerciez. Vous allez commencer à générer un contexte de sensations, d'émotions, d'humeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, électrochimique. Et quand vous allez commencer à le faire, là, vous allez pouvoir avoir de la gratitude pour ce que vous demandez, qui n'est pas encore là, mais vous remerciez. Et ça, ça s'appelle la foi absolue. Et pour ceux qui s'intéressent au développement personnel, Napoléon Hill, qui avait travaillé avec 15 000 personnes qu'il a interviewées, parce que c'était Dale Carnegie qui l'avait embauché, qui voulait savoir pourquoi il y avait des gens qui réussissaient et des gens qui échouaient. Il a dit, les trois recettes qu'ont tous les gens qui réussissent, c'est un désir ardent, la persévérance et la foi absolue. Mais la foi absolue, il n'a pas dit comment y arriver. Simplement, je vous dis, la foi, vous allez y arriver par la gratitude. Et si vous avez, j'ai une gratitude incroyable pour ce que je vais gagner cette année, pour ce que l'univers me réserve, je vais vous dire, si vous arrivez à cet état-là, il n'y a aucun souci. Vous n'avez plus de doute et vous n'avez plus de peur, parce que vous ne pouvez pas avoir deux émotions à la fois. Si vous êtes dans la certitude, dans la foi, vous ne pouvez pas être dans le doute ou la peur. Du coup, vous n'êtes pas dans le manque. La confiance aussi, elle. Tout à fait. On va en parler tout à l'heure. J'ai prévu la différence entre l'estime de soi, la confiance en soi. Confiance en soi, c'est les capacités, c'est le faire. L'estime de soi, c'est l'être. C'est le jugement qu'on porte sur soi. Et ça, c'est important parce que si on ne s'estime pas, on ne pourra pas gagner d'argent, puisqu'on s'accorde une faible valeur. Et l'univers te récompense en fonction de la valeur que tu t'attribues. C'est pour ça que quand je forme des thérapeutes en hypnose, je leur dis toujours, il n'y a aucune séance gratuite. Ils me disent, oui, mais les amis, non. Moi, je leur dis, voilà, ma séance vaut tant. Parce que tu es un ami, je te l'offre. Mais je m'accorde une valeur que je vaut tant, mais que je l'offre. Ça, c'est pas pareil. Non, non, je te fais gratuit. Non, non, gratuit, ça veut dire ça vaut rien. Je vaut rien. Je vaut pas rien. Je vaut tant parce que j'ai des champions que je coach, mais j'ai le droit de choisir qui je fais payer, combien je fais payer, mais je m'attribue ma valeur avant de faire un cadeau ou pas. Parce que si je fais gratuit, j'envoie un message à l'univers que je ne vaux rien. Donc l'univers, ben, il dit, il n'y a pas de souci. Et quand je discute avec des gens qui font le contraire de ce que je viens de dire, qui disent, oui, je fais des séances gratuites, ben, ils ont des chèques en bois, ils ont des gens qui ne les payent pas, des trucs. Mais c'est forcément parce qu'ils envoient un mauvais message à l'univers. Vous comprenez le principe? Ok, donc la première chose, c'est effectivement d'être ouvert à la réception. Est-ce que vous êtes prêt à embarquer pour vivre la vie de vos rêves et vivre une année 2018 exceptionnelle? Parce que c'est devant
que tout se passe et pas derrière. On ne conduit pas avec le rétroviseur, on ne conduit pas avec le passé, on conduit avec la vision. À très bientôt dans mes séminaires. Je suis Catherine Teicher de Toulouse. Je viens d'assister donc à une formation d'Olivier. Donc je connais Olivier, c'est mon ami, mais je n'avais jamais assisté à une de ses formations. Et bien moi, je peux vous dire que c'est du, mais vraiment du top niveau. C'est de la bombe. Alors moi, je le voyais ici, mais là, il est. Ça s'arrête pas. Vraiment, vraiment top. Si on veut avancer au niveau de l'abondance financière, il vous explique les choses et en plus avec des exercices, vous avez une énergie extraordinaire dans la salle. Donc je vous conseille Olivier Madelrieux. Bonjour, je m'appelle Catherine Saint-Martin et voilà Patrick Villani, un ami, nous travaillons ensemble et sincèrement je voulais dire ce que je ressentais vis-à-vis de la conférence de cet après-midi, du séminaire. C'était vraiment génial. Ça nous a beaucoup appris. Ça nous montre ce qu'on doit mettre en place, qu'on doit continuer de mettre en place dans notre groupe, de façon à aider nos partenaires à avancer, à s'améliorer, de façon à aller vers la richesse que chacun s'est destiné. Voilà. Merci encore à Olivier. Et on va garder un très bon souvenir de cet événement. C'était super. Vraiment fabuleux. Voilà, on sort vraiment dans un état intérieur changé et grandi. Donc on va appliquer les méthodes qu'on nous a apprises cet après-midi au bénéfice de tout le groupe qui nous reconnaît. Merci.